الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخامس من شهر ذي القعدة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الرابع عشر من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسام 31 août 2014 et nous entrons inshallah ta'ala ce soir dans le 14e cours. On est le 30 août, n'am, et on entre dans le 14e cours des trois fondements et leurs preuves de l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et nous sommes en train de parler du deuxième degré de la religion, qui est l'Iman. Et on a pu voir que l'Iman, c'est-à-dire la foi, c'est un ensemble de croyances, d'actes et de paroles. La foi augmente lorsque l'individu obéit à Allah, elle accroît, et la foi diminue lorsque l'individu désobéit à Allah, Subhanahu wa ta'ala. On a également vu que la foi est composée de 70 et quelques branches, la plus grande étant Ibrahim, de dire la ilaha illallah, et la plus basse, hein, dotée de la route, ce qui est nuisible pour les passants. Et on a vu qu'il fait partie de la foi la pudeur. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a pu comprendre de ce hadith par rapport à la foi, Abdullah? Le fait de dire l'Ilaha illallah, c'est une parole, c'est-à-dire l'iman, la foi, c'est une parole. Et une croyance du cœur, c'est le fait de la pudeur. Et l'action, c'est le fait d'ôter de la route. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il fait partie de la foi, ou que la foi, pardon, est composée d'un ensemble de trois choses qui sont des actes apparents faits par les membres, des actes intérieurs qui viennent du cœur et des paroles qui sortent de la bouche, qui sont prononcées par la langue. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à ces trois choses quand il dit la plus haute branche de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. C'est donc une parole. La plus basse branche de la foi, c'est d'enlever de la route ce qui gêne les passants. Et ça, c'est un acte. Puis il dit, il fait partie de la foi la pudeur. Et la pudeur est une chose qui, à la base, vient du cœur et qui se traduit par un comportement, par des actes. Donc, ce hadith, malgré la petite quantité de ces mots, il est grand dans son sens et dans ce qu'il veut dire. On a donc vu que la foi est composée de six piliers. Qui est-ce qui me les cite? Vas-y, Akhi, rapidement, et tu lèves ta voix. Barakallahu fik. On croit en Allah, on croit en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au destin qu'il soit bon ou mauvais, et au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, dans l'ordre du hadith, est cité avant la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Vous allez voir après, Inch'Allah, qu'il y a une hikmah dans ce tartib, c'est-à-dire qu'il y a une sagesse dans cet ordre qu'a cité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les piliers de la foi. Ceci étant dit, nous avons vu que la foi en Allah, qui est le premier pilier, le plus important, est lui-même composé de quatre points. Quels sont ces quatre points, Sofiane? Le premier point, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah. Naam. De croire en l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on a vu qu'un certain nombre de choses prouvent l'existence d'Allah. Qui s'en souvient, Sofiane? La fitra. La fitra. Ensuite, la raison. Al-aql. Les signes.
les signes, et enfin les signes, c'est le ressenti. Ensuite, ça c'est un exemple de signes. Les textes, c'est-à-dire qu'il y a quatre choses qui nous prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jalla. La première, al-fitra, c'est-à-dire que c'est la nature saine. C'est-à-dire que tout enfant, quand il naît forcément dans la base. La base, c'est l'islam. C'est pour ça qu'un enfant, il est prédisposé à accepter l'islam quand il va lui être montré en détail. Il a les bases, c'est-à-dire il sait qu'il y a un créateur. Et il sait que ce créateur est au-dessus du ciel. Subhanahu wa ta'ala. Et j'ai fait le test une fois. Je me suis adressé à un enfant qui ne connaissait rien de tout ça. Et je lui ai dit, où est Allah Azza wa Jal? Il m'a montré le ciel avec son doigt. Et quand je lui ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a enseigné? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Il ne savait pas répondre. C'est normal. Car il ne sait pas encore qu'en fait, il était dans la fitra. C'est-à-dire qu'il était dans la base. Deuxièmement, al-aql, la raison. Toute personne qui est douée de raison sait qu'Allah Azza wa Jalla existe et ne peut pas croire que les créatures sont le fruit du hasard. Ce sont des choses qu'on a vues. Ensuite, al-shara', c'est-à-dire les textes, le Coran et la Sunna. Celui qui voit dans le Coran comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a donné des ordres et des interdits qui font vivre le serviteur, yarhamukallah, et le font réussir, celui qui voit la sagesse dans les ordres et les interdits d'Allah Azza wa Jal va voir que cette parole ne vient pas d'un homme et qu'il est impossible qu'elle vienne d'un homme. Il n'y a même pas de contradiction dans le Coran. Eh bien, les textes prouvent l'existence de celui qui, dont ces textes émanent, l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Également, quand Allah Azza wa Jal nous parle de ce qui va arriver à ceux qui lui désobéissent. Et à chaque fois, on ne cesse de voir la promesse d'Allah sur ceux qui ont désobéi à Allah, Azza wa Jal, et bien d'autres choses encore. Et enfin, on a vu Al-Hiss. Al-Hiss, c'est le ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le serviteur ressent qui lui montrent l'existence d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et on a vu deux exemples. Lorsqu'il invoque Allah, Azza wa Jal, et qu'il lui réclame ce dont il a besoin, il voit que sans cause apparente, alors que la veille, il n'avait rien, le lendemain, il a tout. Il est convaincu que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, les signes des prophètes, comme le bâton de Moussa alayhi salam, et les miracles de tous les prophètes, comme Isa alayhi salam, qui guérissait les lépreux ou qui redonnait la vie aux morts, et le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Qur'an. Naam. Ensuite, on a vu, après la foi en l'existence d'Allah, la foi en Ar-Rububiyya, la seigneurie d'Allah. La seigneurie d'Allah, le frère Ibrahim va nous la résumer rapidement et clairement. Fadhal. La seigneurie d'Allah, c'est tout ce que les actes propres à Allah, la création, la jirose et la subsistance. Après la subsistance. La Seigneurie, Rububiyya, ce sont tous les actes propres à Allah. Et si on voulait les résumer dans trois choses, on aurait dit, qu'est-ce qui peut fermer la porte de la mosquée, barakallah. Si on voulait résumer ces actes dans trois choses, on dirait Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Tadbir. La création, la possession et la gérance. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses et le gérant de tout ce qui se passe, subhanahu wa ta'ala. Entre dans ces choses-là, le fait qu'il donne la vie, la mort, qu'il guérisse quelqu'un qui est malade, donne la maladie à un autre, guide une personne, égare, fait tomber la pluie, répond aux invocations, et toutes ces choses-là que seul Allah peut faire. Celui qui croit dans une de ces choses-là, qu'un autre qu'Allah peut les faire, il a associé Allah dans quel domaine? Dans la seigneurie. Troisièmement, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans, qui est-ce qui a parlé? Malek. Dans l'adoration. C'est-à-dire qu'il faut croire que le seul qui mérite l'adoration est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'a aucun associé dans tout cela.
Donc celui qui voue une adoration à un autre qu'Allah n'est pas un croyant. Nous sommes en train d'étudier ce qu'est la foi. Et celui qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jal, la foi n'est pas dans son cœur. N'est-ce pas? Ceci est la définition de la foi. C'est une chose qu'on a déjà vue. Et enfin, quatrièmement, la foi. Oui, Sam? La foi au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. En quoi est-ce que cela consiste, Issa? Allah tabaraka wa ta'ala a les plus beaux noms et de chaque nom découle un attribut. Asma'ullah Azza wa Jal, A'lamun wa Awsaf. Les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms propres et des adjectifs qualificatifs en même temps. C'est-à-dire que quand on dit qu'Allah Azza wa Jal est Karim, parmi les noms d'Allah, Al-Karim, ça c'est un nom, Yadullu ala al-Dhat, qui nous indique Allah tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, ce nom par lequel on appelle Allah est une description d'Allah. Wasfun. Yadullu ala anna Allah hadhu karam. Une description qui nous enseigne qu'Allah Azza wa Jal est doté de la générosité, al-karam. Et c'est ainsi que l'on doit croire avec tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Et quelle est la croyance des gens de la sunna dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Exactement. C'est-à-dire que le croyant affirme sur Allah ce que lui-même s'est affirmé pour lui à travers le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu lis dans le Coran qu'Allah azza wa jalla a dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, ses deux mains sont tendues, il dépense comme il veut, qu'est-ce que tu dois croire? Quelle est ta croyance correcte devant ce verset? Tu dois croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cet attribut qui est la main, qui est la deux mains, puisque lui-même subhanahu wa ta'ala l'a cité dans ce verset. Et en même temps, tu ne dois pas faire ressembler cet attribut aux autres, car la ressemblance dans le nom n'implique pas forcément la ressemblance dans la forme. Lorsque tu dis qu'un ours a une main et un homme a une main, est-ce que les mains sont pareilles? Non, le nom est pareil, mais la main en elle-même est différente. Ça, c'est entre les créatures. Eh bien, entre le créateur et la créature, à plus forte raison, mimbab et aula. Donc, tu dois croire aux attributs d'Allah Azza wa Jal, sans nier le sens, sans faire ressembler Allah Azza wa Jal à sa créature, et sans poser de questions, en disant comment est-ce que la main d'Allah est. Mais par contre, la chose que tu sais, c'est que tous les attributs d'Allah sont parfaits et n'ont aucun manquement. Allah Azza wa Jal a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Ce qui veut dire et Allah reviennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceci. Tu dois croire que ces noms sont parfaits et de chaque nom découle un attribut. Donc tous ces attributs sont parfaits, tu l'invoques avec ces noms et attributs et tu ne cherches ni à savoir comment ils sont tout en sachant qu'ils sont parfaits. Subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de sectes se sont égarées dans cette croyance, comme Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, ce sont des gens qui se basent sur leur raison pour accepter ou rejeter des textes qui traitent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ils voient qu'il faut utiliser la raison avant les textes. Wal-Iyadhu Billah. Ô combien est loin cet égarement. À cause de ça, ils ont nié la plupart des attributs d'Allah Azza wa Jal et en ont affirmé moins d'une dizaine. Et ces attributs qu'ils ont affirmés, ils l'ont affirmé en se basant sur leur raison, non pas sur les textes. Wal-iyadhu billah. Mais la question de Sha'ira est vaste et ce n'est qu'à titre d'exemple. Il y a Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ce sont ceux qui ont cru ni au nom d'Allah Azza wa Jal, ni aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a ceux qui ont cru au nom et qui ont enlevé de chaque nom leur sens. Tous ces gens-là sont égarés. Quant aux gens de la sunna, ils disent, nous croyons au nom,
aux attributs d'Allah Azza wa Jal que nous avons lus dans le Coran et dans la Sunna, car c'est Allah qui nous les a donnés. Nous y croyons sans pour autant chercher à savoir comment ils sont, tout en affirmant qu'ils sont parfaits et n'ont aucun manquement, contrairement à ces créatures, sans nier ni le nom et ni le sens, et sans faire d'illustration, at-tamthil, c'est-à-dire de dire la main d'Allah est comme ceci, la main d'Allah est comme cela, en donnant un exemple. Toutes ces choses-là sont interdites. Voici la foi au nom et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et entre dans la foi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les mettre en pratique. De les mettre en pratique. Car chaque nom d'Allah pousse à mettre en pratique une ou plusieurs actions. Par exemple, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms As-Sami', duquel découle l'attribut As-Sam', c'est-à-dire celui qui est audient, il entend tout. Donc il a l'attribut de l'ouïe, il entend. Comment est-ce qu'il va mettre en pratique ce nom? Il ne va dire que ce qui plaît à Allah, car il sait qu'Allah est Sami', subhanahu wa ta'ala, et ainsi pour tous les noms. Voici la foi au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la foi en Allah. Le deuxième pilier de la foi, al-iman bil malaika, c'est la foi aux anges. Les anges sont des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أدي الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Le cheikh dit, les anges, c'est un monde invisible. Ils sont créés, ils sont soumis à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont aucune particularité de la seigneurie ni de l'adoration. Ils sont donc des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ils sont invisibles. Ils sont créés, ils ne sont donc pas créateurs. Ils adorent Allah, ils n'ont donc pas le droit à l'adoration. Et ils n'ont aucune particularité ni de la seigneurie, ni du droit à l'adoration. Allah Azza wa Jal les a créés à partir de lumière. Il a créé les hommes à partir de terre, les anges à partir de lumière, et les djinns à partir de feu sans fumée. Allah Azza wa Jal les a favorisés par le fait qu'ils se soumettent à son ordre, subhanahu wa ta'ala, sans lui désobéir. Et ils sont prompts et rapides dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh a cité un verset dans la traduction approximative A, et ceux qui sont auprès de lui ne s'enflent pas d'orgueil devant son adoration, ni ne se lassent. Ils proclament de nuit et de jour la gloire de leur Seigneur sans jamais se fatiguer ni se lasser. Ici, Allah Azza wa Jal parle des anges et nous dit que les anges adorent et obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala de nuit et de jour de façon constante sans jamais se lasser. Leur nombre est très grand et seul Allah tabaraka wa ta'ala le connaît. Ainsi, on ne peut pas dire, on ne peut pas estimer le nombre des anges. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très nombreux. Car l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et Muslim ont rapporté selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dans l'histoire de l'ascension nocturne, fi qissat al-mi'raj, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a été élevé sur le dos du buraq, qui est la monture, et il s'est élevé sallallahu alayhi wa sallam, il s'est élevé jusqu'à être
au-dessus des cieux, alayhi salatu wa salam. Et dans cette histoire, le prophète a dit que قال رحمه الله رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. Il dit, رحمه الله تعالى, comme cela rapporté chez Al-Bukhari, que lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cette ascension nocturne, on l'a élevé et on a élevé au-dessus de lui la maison habitée. Et cette maison, c'est une maison qui est comme une Kaaba pour les anges et qui se trouve au-dessus de la Kaaba dans le ciel. Et à chaque jour, il y a 70 000 anges qui entrent dans cet endroit et qui en sortent sans jamais revenir. Donc, vous pouvez vous imaginer combien est grand le nombre d'anges. Ensuite, le cheikh dit que la foi aux anges implique de croire en quatre choses. Qu'est-ce que la foi aux anges ? C'est de croire en quatre choses. La première, l'imanu, la foi en leur existence. La deuxième, l'imanu biman alim nasmahu minhum bismih, kadibril. وَمَنْ لَمْ نَعْلَمْ إِسْمَهُ نُؤْمِنُ بِهِمْ إِجْمَالًا. La foi au nom de ceux dont nous connaissons les noms. Quant à ceux dont on ne connaît pas les noms, on y croit de façon générale. Donnez-moi quelques noms d'anges que vous connaissez. Jibril, alayhi salam. Mikaïl. Israfil. Bientôt, ça va devenir compliqué. Malakul Maut, l'ange de la mort. On ne connaît pas son prénom. Abdullah. Malik. Munkar. Et Nakir. Abdurrahman. Hadi Faïda. Ana la arifouha. Khazinou. Khazinou Jahannam Malik. Ah, Al-Jannah. Masha'Allah. Tayyib. Alhamdulillah, yakfi. Donc, tous ces anges-là, nous devons croire en leur nom. Et ceux dont on ne connaît pas les noms, on y croit de façon générale, on sait que des anges existent et qu'ils ont une mission. Troisièmement, Al-Imanu bima alimna min sifatihim ka sifati Jibril. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. La croyance en la description physique que l'on connaît de ces anges, à l'image de Jibril alayhi salam. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe qu'il l'a vu sous sa vraie forme, sous laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé. Combien est-ce qu'il avait d'ailes ? 600 ailes, avec lesquelles il recouvrait l'horizon. Alayhi salam. Donc ça, on doit y croire. Et nous devons croire aussi que l'ange a la capacité de prendre l'apparence humaine. Un ange peut venir marcher sur terre avec la forme d'un homme. Nous, on ne sait pas que c'est un ange, mais c'est possible. Comme Jibril, alayhi salam, qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme. Dans quel hadith? Hadith Jibril. Le hadith qui est connu de tous ou de la plupart. Un autre exemple dans le Coran, où un ange est venu voir quelqu'un sous la forme d'un homme. Ali. L'ange qui est venu voir Maryam. Fatamathala laha basharan sawiyya. Allah Azza wa Jal nous dit que l'ange qui est venu voir Maryam pour lui annoncer qu'Allah Azza wa Jal va lui donner Isa est venu sous la forme d'un homme bien créé. Donc nous devons croire en cette information. Et aussi
les anges qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal vers Ibrahim alayhi salam et ceux qui ont été envoyés vers le prophète Lot alayhi salam sont tous venus sous l'apparence humaine. Quatrième point qu'implique la croyance aux anges, الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى. La croyance, la foi aux actes des anges dont nous connaissons les actes. كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. Comme le tasbih, nous savons que les anges disent Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah et qu'ils adorent Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit, sans jamais se lasser, ni en avoir marre. Et certains parmi eux ont des actions que seuls eux font. Par exemple, Jibril alayhi salam. Qu'est-ce que fait Jibril? Hein? Jibril amène le message aux hommes, c'est-à-dire aux prophètes et aux messagers. Ou encore Mikaïl. Mikaïl, alayhi salam, c'est celui qui est chargé de s'occuper de la tombée de la pluie ainsi que la poussée des plantes. Et Sarafil. Et Sarafil est celui qui est chargé de souffler dans la trompe pour annoncer le jour dernier. Ces trois anges sont les meilleurs des anges si Allah Azza wa Jal est les plus rapprochés. Pour quelle raison? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a dit, car ces trois anges s'occupent d'un domaine, des domaines de la vie. Jibril alayhi salam est chargé d'amener la révélation aux créatures, aux prophètes. Avec la révélation, qu'est-ce qui vit? Les cœurs vivent. Et sans la révélation, les cœurs sont morts. C'est une sorte de vie. C'est d'ailleurs la meilleure. Israfil alayhi salam, pardon, Mikaïl, est chargé de faire tomber la pluie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie, la poussée des plantes. Et avec l'eau, tout le monde vit sur terre. Il s'occupe de la vie qui est sur terre. Et Mikaïl va souffler dans la trompe, donc. Israfil, donc. Hein? Naam, il stoppe la vie de ce bas monde, mais il amène la vie de l'au-delà. Donc il s'occupe de la vie de l'au-delà. L'ange de la mort, son nom l'indique, n'est-ce pas? L'ange de la mort. Ensuite, il y a l'ange de la mort, que le frère vient de citer. Il y a aussi l'ange qui est chargé de l'enfer. C'est Malik. وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ. Les gens de l'enfer diront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Et Malik, c'est le chef des anges. Ensuite, en enfer, il y a 19 anges, comme Allah Azza wa Jalla dit « عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. Il y a, pour s'occuper de ce feu, 19 anges. Il y a aussi les anges qui sont chargés de venir insuffler les âmes dans l'utérus de la mère qui est enceinte, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que 120 jours après la grossesse de la mère, il y a un ange qui est chargé d'insuffler l'âme dans le corps du fœtus et tout ce qui est cité dans le hadith. Il y a également les anges qui ont pour mission de surveiller ce que fait le fils d'Adam et de le consigner, que ce soit les choses bonnes et aussi les choses mauvaises. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui écrit les bonnes choses se trouve à la droite, celui qui écrit les choses mauvaises se trouve à la gauche. Il y a également Munkar et Nakir, qui viendront poser les questions dans la tombe de toute personne après son enterrement. La foi aux anges apporte des fruits. Quels sont les fruits qu'apporte la foi aux anges?
Premièrement, العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. La connaissance de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de sa toute-puissance et de l'autorité qu'il a sur ses créatures, puisque la grandeur de la créature indique la grandeur du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et si tu entends qu'un seul ange a 600 ailes avec lesquelles il recouvre tout l'horizon, et que cet ange... Il y a aussi les anges qui portent le trône, notamment ceux du jour dernier. Ainsi, si tu vois qu'un ange a 600 ailes et avec lesquelles il recouvre tout l'horizon, tu vois combien il est grand. Mais pourtant, tu apprends que ce n'est qu'un simple serviteur parmi tant d'autres des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors de celui qui est le créateur de ces 600 ailes, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le fruit de la foi aux anges. Deuxièmement, شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Le fait de se montrer reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'avec les anges, Allah Azza wa Jal prend soin de ses créatures. Si Allah Azza wa Jal ordonnait à l'ange Michael de cesser de faire tomber la pluie, on serait tous morts. Et malgré nos péchés, Allah Azza wa Jal ne cesse de demander, d'ordonner à Michael de faire tomber la pluie, de s'occuper de la poussée dont on a besoin pour vivre. Également, les anges qui inscrivent les bonnes actions pour lesquelles on sera récompensé le jour du jugement dernier. Également, les anges qui sont chargés, on ne les a pas cités, de protéger la créature d'Allah Azza wa Jal. Il y a des anges qui protègent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième fruit qu'apporte la croyance aux anges, mahabbatul malaika ala ma qamu bihi min ibadati Allah ta'ala. Le fait d'aimer les anges à cause de ce qu'ils font comme adoration à Allah Azza wa Jal. Car toute personne qui obéit à Allah doit être aimé par le croyant. À plus forte raison les anges, qui eux ne désobéissent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes égarées ont réfuté l'existence des anges en disant que, en vérité, les anges, quand on parle des anges, on veut par là montrer une force dans l'existence. Mais on ne dit pas que les anges ont un corps et qu'ils existent et qu'ils ont ce qu'Allah Azzawajal nous a décrit. Cette parole, c'est de la mécréance. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité dans beaucoup de versets que vous allez entendre, Inch'Allah, ce que les anges ont comme description. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Toutes les louanges reviennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges des messagers, qui sont dotés de deux ailes, trois ou quatre. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Que les anges ont des ailes. Et eux disent, quand on parle des anges, on parle d'une puissance, d'une force qui existe dans la nature, mais qui est dénuée de tout corps ou de toute description. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Et si tu voyais, lorsque les anges viendront faire mourir ceux qui ont mécru, en frappant leur visage et leur derrière. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que les anges frappent. Donc, s'ils frappent, c'est qu'ils existent, ils ont une forme. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Et si tu voyais, lorsque les injustes seront dans
l'agonie. Lorsque si tu voyais lorsque les injustes seront à l'agonie de la mort, et les anges tendront leurs mains en disant sortez de vos corps. Donc les anges ont des mains. Également Allah Azza wa Jalla a dit hatta idha fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire jusqu'à ce que quand on enlèvera la peur de leur cœur, ils diront qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Les autres répondront il a dit vrai, et certes c'est lui le très haut, le très grand. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla parle des anges qui sont élevés et qui entendent ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Et quand ils entendent ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété, ils sont foudroyés par la crainte d'Allah. Puis quand ils se lèvent et qu'on enlève la peur de leur cœur, les autres leur disent qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Et ensuite ils se mettent à leur dire ce qu'Allah Azza wa Jalla a entendu. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Que les anges ont des cœurs. Également Allah Azza wa Jalla a dit au sujet des gens du paradis وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Au sujet des gens du paradis, et les anges entreront auprès d'eux par toute porte. Donc s'ils entrent auprès d'eux par toute porte, c'est bien qu'ils existent, pour leur dire paix sur vous pour votre patience. Ô combien est magnifique votre demeure, na'am, votre demeure dernière. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Ce qui veut dire, quand Allah aime le serviteur, il appelle Jibril pour lui dire Allah aime un tel, aime-le donc. Jibril se met donc à l'aimer. Puis il appelle les habitants des cieux pour leur dire « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Ils se mettent à l'aimer. Puis on lui donne l'acceptation sur terre, c'est-à-dire qu'il est aimé par les gens pieux sur terre. Donc les anges sont là, ils existent, ils aiment, ils ont des cœurs, ils ont des mains, ils ont des ailes. Et nombreux sont les versets dans ce sens. Allez, comme ça. Troisième pilier de la foi, « Al-Iman ou Bil-Kutub ». La foi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mot kutub est le pluriel de kitab. Le mot kitab lui-même signifie maktoub. C'est un écrit, quelque chose qui est écrit. Tout comme le mot ilah signifie ma'louh. Tout comme le mot firash signifie mafrouch. Il y a deux formes qui veulent dire la même chose. La forme qu'on appelle fi'al et l'autre qu'on appelle maf'oul. Et chaque mot qui va ressembler à cette forme, une de ces deux formes, a le même sens. On dit kitab ou maktoub pour parler d'un livre qui est écrit.